Dalil, șamponul preferat al copilului. C'est un endroit superbe, je suis vraiment ravi pour toi. Et quelque peu jaloux, à vrai dire. J'aimerais pouvoir m'y inscrire moi aussi. Ça risquerait d'être un peu gênant. C'est vrai. Je n'arrive pas à croire que tu aies grandi si vite. Je veux que tu saches que je suis très fier de toi. Merci, père. Oui, c'est exactement ce que ta mère aurait voulu pour toi, que tu puisses découvrir les charmes de la faculté, loin des caméras et de toute cette attention. J'ai hâte de vivre cette expérience. J'aurais aimé pouvoir en faire autant. L'idée de le demander ne m'est jamais venue. Et puis, je n'avais pas ton pouvoir de persuasion. Me traiteriez-vous de tête de mule? Lorsque tu n'étais qu'un gamin, tu étais convaincu de savoir voler. Tu te jetais du haut des tables et des chaises. Ta pauvre mère et moi devenions fous. Oui, je me rappelle. Tu vas beaucoup te plaire ici, je pense. C'est tellement loin de tout. Je n'aurai pas la moindre obligation mondaine ici. Et je pourrai enfin me mêler aux autres. Travaille dur et profite. Mais... pas d'excès. Faites-moi confiance. Dorénavant, tu es un étudiant comme les autres, lâché dans l'arène universitaire. Une fois de plus, le prince William sera parvenu à ses fins. Contrairement à ce que veut la tradition, il n'étudiera ni à Oxford ni à Cambridge. Il sera le premier membre de la famille royale... Sa chambre a été équipée de fenêtres blindées et d'une porte en acier renforcé. Et tous ses camarades ont signé un contrat de confidentialité. Buckingham a contraint les médias à signer un accord stipulant que le prince ne devait pas être importuné lorsqu'il se trouvait dans l'enceinte de l'établissement. Oui, entrez. Mes hommages, monseigneur. Je vois que vous avez reçu mon CV. Il est succinct, mais tout est vrai. Oui. C'est pourquoi faire, au juste? Je souhaiterais postuler pour devenir votre homme de main. Mon homme de main? Homme de main, copilote, meilleur ami. Et pour vous convaincre, j'ai apporté des bières. Je m'appelle Yann Musgrove, votre Altesse. J'habite dans la chambre juste à côté. Je suis à votre disposition jour et nuit, que vous soyez ivre ou sobre. Si jamais vous avez trop de filles dans votre chambre, je peux vous aider. Moi, c'est William, et tu peux me tutoyer, c'est bon. Je n'ai pas besoin d'homme de main. Viens avec moi. Toutes les filles du campus meurent d'envie de te rencontrer. Ce qui veut dire que t'auras de quoi faire. Et comme tu ne pourras pas sortir avec chacune d'elles, eh bien, tu vas donc avoir besoin d'un... homme de main. C'est ça. Oh, voici Heather Warren Phillips, une londonienne en première année. Elle aime les balades sur la plage et les voyages exotiques, à manier avec précaution. Elle, c'est Emma d'Édimbourg, studieuse, mais très sexy. Et elle... c'est Emily Bennett Covington, une étudiante en création littéraire, élevée à la campagne. Il paraît qu'elle est gentille. Mystérieuse, mais gentille. Tout...
Tout le monde est dans le hall pour observer le prince William. Ah, oh, je l'ai déjà vu. Je pense que je vais filer à la douche. Et alors, est-ce que tu t'es évanouie? Étonnamment, je suis parvenue à rester debout. Raconte que certaines filles sont venues ici uniquement dans l'espoir de l'épouser. Elles sont optimistes. Tu veux dire pathétiques. Et surtout pas très lucides. La fille qui l'épousera devra répondre à des critères très précis. Or, ce n'est le cas que de très peu d'inscrites ici. Quels critères? Eh bien, l'argent, l'intelligence et la beauté, pour commencer. Mais elle devra aussi avoir le pédigré approprié. Je veux seulement voir de quoi il a l'air, pas me marier avec lui. C'est la vérité, c'est tout. C'est l'héritier de la famille royale. Je connais William, Willy, depuis toute petite. J'ai toujours été présente à ses fêtes d'anniversaire. C'est juste un garçon. Oui, bien sûr, c'est juste un garçon. Qui s'avère être un beau gosse plutôt sexy, un milliardaire et le futur roi d'Angleterre. Le futur roi d'Angleterre. Silence, s'il vous plaît. Silence. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus. Je vois que mon cours est un vrai succès ce semestre. Et je suis sûr qu'on ne peut expliquer cela que par mes grands talents d'enseignant. Ce cours s'intitule « Introduction aux grands maîtres peintres du 19e siècle ». Vous travaillerez par groupe de quatre. Et chacun de ces groupes sera chargé de préparer la présentation circonstanciée d'un artiste. Il se peut même que certains d'entre vous aient des ancêtres dont le portrait était peint par l'un de ses prestigieux maîtres. Bonjour. Donc seulement un plat et une pomme. Ok. C'est beaucoup trop cuit. Mm-hmm. Je peux pas manger ça. Ah, allez, William, je vais vous présenter. Pourquoi tu chuchotes, William? Viens te joindre à nous. Écoute. Je te présente Mark Sanders. Enchanté, Mark. Enchanté. Et Simon Cornwall. Enchanté. Et Derek, enchanté. Je l'ai rencontré à Eton. Salut mon pote, comment ça va? Salut mon vieux. Ça roule? Oui, ça va. T'aurais pas pris un peu de poids, toi? C'est possible. C'est toi. T'attires toujours autant l'attention quand tu vas quelque part? Oui, en général, elles se lasseront au bout d'une semaine. J'espère pas. J'adore être le centre de l'attention. Tu te rends compte que c'est pas toi qui le regarde? On a bien le droit de rêver, non? Alors, Willy, dans quel club tu vas t'inscrire? Au waterpolo, déjà. Super idée, on sera co-capitaine, je vais m'inscrire aussi. Toi, sérieux? Tu comptes te lever aux aurores pour t'entraîner? Ah, bien sûr que oui. Oui, en théorie, en tout cas. Mais en réalité, non, ça arrivera jamais. C'est ce que j'allais dire. Je suis beaucoup trop flemmard. Tu veux que j'aie... Excusez-moi, je vais chercher une autre fourchette. Une fourchette? Je crois plutôt qu'il veut voir Emily. Un de nos colocataires à Eton a vendu des photos et des informations perso sur Willy à la presse People. Ça a fait scandale à l'époque. William, je m'en souviens, c'était horrible. Ouais, à bientôt. Et depuis, il a beaucoup de mal à faire confiance aux gens. T'es sérieux? Je veux que tu saches que tu peux avoir confiance en nous. On vendra jamais de photos privées ou d'informations te concernant. Yann. Merci. Désolé, mais ça ne doit pas être évident de toujours devoir être sur ses gardes. Quand je doute d'une personne que je connais à peine, je lui raconte un mensonge à mon sujet. Rien de trop gros, mais un truc assez fou pour que ça puisse intéresser la presse. Plus cette personne a l'air louche, plus mon mensonge est énorme. Comme ça, si ça finit dans la presse, je sais d'où ça vient. C'est bien vu. En parlant de ça, mon meilleur ami est un petit rat appelé Théo. On n'a qu'à réfléchir à l'artiste sur lequel on veut travailler. Et après, on se retrouve tous pour en parler. Oui. Hein? Super. Oui, c'est une excellente idée. D'accord. On pourrait peut-être échanger nos numéros. Non? Oui, bien sûr. Oui, enfin non. J'ai déjà les adresses e-mail de tout le monde. Je n'ai qu'à vous envoyer à tous une proposition. Oui, ça serait mieux. D'emploi du temps. Pardon? Ok. Génial. Ouais. Bon, eh bien... À plus tard. À plus tard. À plus tard. Au revoir. Alors, qui est ton artiste préféré? J'aime bien Monet et Cézanne, leur façon de peindre la lumière. Kate Middleton. William de Gale. Oui, je sais qui tu es. Tout le monde ici sait qui tu es. Enfin, disons que tu es extrêmement populaire.
tout le monde m'apprécie, mais ils ne me connaissent pas. Oui, j'imagine que ça fait bizarre. C'est rien de le dire. Quoi? Désolée, mais je viens de te sauver la vie. Ah oui? Oh oui. Tu vois, ces initiales, ce sont celles de Patrick Hamilton. Et qui est-ce? Eh bien, c'était un martyr du XVIIe siècle qu'on a brûlé sur le bûcher. La légende dit que tous ceux qui fouleront cette pierre ne réussiront pas leurs études. Pour conjurer le sort, il faut faire un bain de minuit dans la mer du Nord. Heureusement que tu étais là. Mm-hmm. Kate! Ah, il faut que je me sauve. À bientôt. Je t'ai vu aller courir avec des amis l'autre jour. Oui, on court tous les matins à 6 heures, si tu veux te joindre à nous. Génial. Salut, chérie. Il suit les mêmes cours que toi? Oui, on doit rendre un projet en art ensemble. C'est vrai, ça? Mm-hmm. Comment il est? Il m'a paru plutôt normal. Toute sa famille ne fera pas dingue. À mon avis, il finira comme eux. Ces deux types te suivent tout le temps partout? Oui, presque. Et c'est pas agaçant, la langue? Plus qu'agaçant, je peux jamais être tranquille. Tu peux pas les faire renvoyer ou décapiter? Crois-moi, j'ai essayé. Apparemment, c'est impossible. Tu crois qu'ils courent vite? J'en sais rien. Hey. Ça te plaît? Je comprends pas pourquoi tu veux que je le lise. Pourquoi tout le monde le dévisage comme ça? Qui? William. C'est une sorte de fascination morbide. Ça parle d'amour. Oui, je sais. Tout le monde veut voir s'il va faire un truc de dingue. Comme baisser son slip et exhiber les bijoux de la famille royale. Ouais, on peut toujours rêver. Non, c'est interdit de me regarder. C'est trop compliqué, je comprends rien. T'inquiète pas, ça va y arriver. Oh. Salut. Je t'attends en bas. Bye. Ouais, à tout de suite. T'étais pas en cours hier? Est-ce que t'étais malade? Non. Ah. Oh. Le Chili. Je suis parti là-bas un an en programme d'échange. Moi aussi. C'est bête, on s'est sûrement croisés. Les élèves étaient super attachants. Oui, c'est vrai. Ça, ce sont tous les endroits que j'aimerais visiter. Tu es un grand voyageur? J'adore aller dans d'autres pays et voir comment les gens vivent. Mmh. Il vaut mieux que j'y aille si je veux pas être en retard. Au fait, t'as séché les cours pour faire une grasse mat et regarder la télé? Non, j'avais un dîner officiel avec ma grand-mère. Ah, je vois. Ouais, bon, il faut que j'y aille. On se voit en cours. Après ça. Oui, tu m'étonnes. Pourquoi? Regardez, ils forment beau couple, non? Princesse Émilie, on pourrait dire qu'on l'a connue avant. C'est voué à l'échec, ce n'est pas du tout son type. Pourquoi? Parce que c'est pas une princesse ou parce que c'est pas toi? Émilie est très gentille, mais ce n'est que temporaire. Je doute fort que Willy ait prévu de la présenter à la reine. Pas avec le jean qu'elle porte, en tout cas. Margaret, t'as raison. Un prince peut pas s'entichier sérieusement d'une roturière. Ça t'en sait rien du tout, toi. Tu oserais me présenter à la reine? Si ma grand-mère était la reine, je serais fière de te ramener chez moi. Oh. Et en fait, c'est à elle que je dirais de se déplacer. Mon vieux. Oh, c'est trop chaud. Oh, arrêtez, pitié. Willy! Salut! Ça va? Ah, salut. Je t'ai vu danser et je me suis dit... Les couleurs sont éclatantes et expriment des émotions typiquement associées à la vie des tournesols. Du jaune ardent de la pleine floraison, aux couleurs arides et brunes du flétrissement et de la mort. Toutes les étapes de la vie d'un tournesol sont exprimées ici dans cette seule composition. Remarquez les nuances de jaune par petites touches qui apparaissent dans le contour des pétales. Et notez comment les ombres sont suggérées sans pour autant révéler l'origine de la source de lumière. Ok, c'est bon.
Merci. Allez, bon courage. Bye. Oh, enfin fini. Ça mérite une petite fête. Il nous reste encore 3 matières à réviser. C'est vrai. On fera une petite fête plus tard. J'y pense. Tu savais qu'on t'affublait d'une sacrée réputation? C'est vrai? À en croire le Daily Mail, le prince serait rasoir et craintif. Vraiment? Le prince William ne s'est toujours inscrit dans aucun des clubs de Saint-Andrews et il est très rare de le croiser dans un pub. Bon, ça va, j'ai connu pire. Le titre de l'article est le prince de l'ennui. Eh bien, je ne suis pas très fan de ce genre de presse. Bizarre, ils ont l'air de t'aimer pourtant. Si je sortais dans un pub, la presse me traiterait de fêtard immoral. Et quand je ne sors pas, alors on dit que je suis barbant. Peu importe ce que les gens disent, ignore-les et vis ta vie. Ils ne publient que des âneries. Ça ne change rien. La plupart des gens gobent tout ce qu'on dit dans les journaux. Tu crois? J'ai tout de même lu dans ce journal un article affirmant qu'un homme avait mangé 60 boules de cricket. Tu crois que les gens vont gober un truc pareil? Bien sûr, s'ils le disent, c'est que c'est vrai. C'est ça, oui. Plus qu'une semaine avant de rentrer chez nous. Tu ne te plais pas ici? À Saint-Andrews? Oh, si, si, c'est super. Je pensais que ça me plairait d'être à l'écart, mais la vie à Londres et mes amis me manquent. Dans ce cas, change de fac. Si je ne reviens pas, tout le monde pensera que j'ai échoué. Peu importe ce qu'on raconte, c'est ta vie. Je meurs de faim. On y va? Salut. Olivia? Ah, salut. Appelle-moi pour qu'on se voit pendant les vacances. Ah oui, promis. Et moi alors? Mais oui, voilà. Sérieusement, n'hésitez pas. Bon bah, profite ouais, bien. Hein. Ça me ferait vraiment plaisir. Sœur-moi, ouais. Ciao tout le monde. Et ne faites rien que je ne ferai pas. On ne doit rien faire que toi, tu ferais surtout. À bientôt. Ok, bien. Salut ma belle. Bye. Ciao, au revoir. Alors, vous donne rendez-vous l'année prochaine? Je ne vais peut-être pas revenir. Ah. Faut y aller, Kate. Salut. Salut. William. Salut. On ferait mieux de se dépêcher. Ok. Bye. Au revoir. Alors, prête pour les fêtes? T'as tous tes cadeaux? On est là! Et voilà! C'est super, bon. Revoir. Oh, la déco est super jolie. Tous nos enfants réunis sous le même toit. Ils grandissent tellement vite. Regarde-les. Je les vois encore tout bébés. Alors, as-tu déjà été invité à Buckingham Palace pour le thé? Ah, et tu trouves ça drôle? La sœur de Rachel Cassen étudie à Saint-Andrews et elle dit que vous êtes tout le temps ensemble. Voyez-vous ça? On est juste amis, ça va. Et Trevor, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Non, mais pas ta sœur, elle vient d'arriver. On oublie vite que Willy est prince quand on le connaît bien. Willy? Tu veux dire que tu l'appelles Willy? Oui, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il sort déjà avec quelqu'un et en plus, il va peut-être quitter Saint-Andrews, donc je le reverrai peut-être jamais. Salut, Kate. James! C'est une place. Maman! Il m'étouffe. Très confortable, ce canapé. Hein? Maman? Ah, oui, ils sont devenus de vrais adultes, maintenant. Il paraît que Harry va pouvoir savourer la grande cuisine d'Eton l'année prochaine. Comment se passent tes cours de biologie? Ça va. Ce que je voudrais, c'est rejoindre l'académie militaire de Sandhurst et faire quelque chose d'important. Ils te laisseront jamais te battre. Bien sûr que si. Je suis pas l'héritier, juste le fils de rechange. J'envisage de quitter Saint-Andrews. Ça ne me paraît pas très sage. Oui, mais c'est tellement loin de tout. N'est-ce pas précisément la raison qui t'a poussé à t'y inscrire? À la base, oui, mais j'aimerais me faire transférer à Cambridge. Nous en parlerons plus tard. Mais et pourquoi pas maintenant? J'estime avoir quand même le droit de changer d'avis, non? Il y a toujours des répercussions quand on change d'avis de cette manière. C'est pas comme si j'arrêtais mes études. Je veux juste changer d'université. Écoute, ce n'est pas le propos. Quand on commence quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Je croyais que ce serait différent. Et le William, Saint-Andrews a fait beaucoup d'efforts pour nous accommoder. Tu as des responsabilités envers eux à présent. Tout comme envers toi-même. Qui
qui c'est, le mouton noir, cette fois? Il s'agit d'un mariage, pas d'un bal de débutante. C'est vrai, je ferai attention. Tu es excité? Excité? Non, je suis terrifié. Nerveux et terrifié. Ah oui, pourquoi? La sainteté de revoir cette vieille harpie. Je l'ai pas vue depuis 3 ans. Je comprends. C'est drôle, sans ce fameux mariage royal, j'aurais sûrement jamais croisé. Allô? Pas, salut, Kate. Je t'accompagnerai pour aller lui rendre visite. William, salut. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Bien, je monte à bord de notre jet privé. On vient d'inaugurer un centre de recyclage. Moi aussi, j'étais en train de faire exactement la même chose. Est-ce que tu sais déjà si tu vas revenir à la fac l'année prochaine? On dirait que oui. Pour ma famille, vouloir changer de fac reviendrait à abdiquer le trône. Ils dramatisent un peu, non? Oui, c'est ma famille. Tu n'as pas l'air passionné par l'art. Tu pourrais changer de matière principale et choisir un domaine qui te plaît. J'y pensais, justement. C'est drôle. Depuis quand t'es aussi maligne? Tu me connais vraiment très mal. Je suis non seulement brillante, mais très perspicace. T'as toujours su ce que tu voulais faire dans la vie? Oui. Quand j'avais 5 ans, je voulais devenir contrôleur de train. Et à 11 ans, j'ai changé pour joueur de football professionnel. Et ça n'a pas marché, alors? Malheureusement, non. Et toi, tu veux faire quoi? On en a décidé pour moi avant que je vienne au monde. Mais si tu pouvais faire ce que tu voulais? En fait, j'y ai jamais trop pensé. Eh bien, pense-y alors. Sortez vos chéquiers, mesdames et messieurs, c'est pour la bonne cause. Bienvenue au défilé de la collection hiver de Saint-Andrews. Et voici Margaret qui porte une superbe robe de soirée rehaussée d'une étole couleur crème. Une tenue qu'on ne se lasse pas d'admirer de face, comme de dos. À présent, voici Olivia, qui porte une adorable robe de cocktail avec un corset noir. J'ai l'impression que notre cher Yann Musgrove va devoir éviter de se lever avant de s'être remis de cette émotion. Passons à la Belle Heure, qui incarne une princesse de conte de fées tout en turquoise et paillettes chocolat. On s'en servirait bien une tranche. En tout cas, ce gentleman là-bas ne dirait pas non. Et voici notre chère Vanessa avec un somptueux cardigan en cachemire et une petite magnifique robe en barquette. Bravo! L'idéal est de se réchauffer lors d'une longue nuit d'hiver. Notre dernier mannequin de la soirée, Kate! Déballez-nous tout ça, mademoiselle Middleton! Oh! Oh! Attends, c'est Kate? Ouais? N'est-elle pas ravissante dans cette tenue? Elle est trop canon. Trop canon. C'est ce que je viens de dire. Ça vaut le coup de le répéter. Si seulement je pouvais avoir un cadeau comme ça sous mon sapin, ça devrait être l'uniforme obligatoire pour toutes les femmes de Saint-Andrews. Waouh! Elle a toujours été comme ça? Soyez généreux, messieurs dames. C'est pour la bonne cause. Honnêtement, vous étiez toutes super. Merci, on s'est bien amusé. Oui, c'était drôle. Oh, c'était toi la plus jolie. T'es un vrai top modèle. Oh, ça y est, ça recommence. Oh, c'est beau. On m'avait scotché. Vous savez où est Margaret? Oui, allons la Je pourrais en avoir un autre. C'est gentil. Ah, je t'ai jamais remercié pour le conseil que tu m'as donné à Noël. Ah, y a pas de quoi. J'ai vu que tu avais finalement opté pour la géographie, c'est chouette. Tu es superbe ce soir. Merci. Je volerai. Excuse-moi, tu m'as demandé ce que je ferais si je pouvais faire ce que je voulais l'autre jour. Et je voudrais être pilote, c'est ça mon rêve. Alors tu dois trouver un moyen pour l'accomplir. Je te promets d'essayer. Attends, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je veux juste t'embrasser. Mais on est amis, c'est tout. Bien sûr, c'est un baiser amical. Un peu trop bu, on dirait. Oui. Non, c'est pas ça du tout. Viens, mon pote, on va faire un petit tour de la pièce. J'ai besoin d'un éclairage. À plus tard, Kate. Je n'ai pas envie de changer d'université, Trevor. On s'était mis d'accord. Oui, je sais, mais... Le département d'art d'Oxford est sûrement le meilleur.
J'irai à l'école de droit et on pourra se payer un super appartement. Je me sens bien ici. On pourra toujours se voir pendant les vacances. Oh, tu sais bien que la relation à distance, ça fonctionne jamais. Je vais avoir mon diplôme et je vais m'en aller. Donc si toi tu restes ici, on est obligé de rompre. J'en suis consciente. Ouais, mais la prochaine la fois, c'est moi qui arrive. D'accord. Ça va peut-être poser problème. Les examens, c'est terminé. Moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? À part être déprimé, je vais bien, ok? Vous, je sais pas, mais moi, je vais oublier tous mes cours et me plonger dans l'alcool. Santé. J'ai pris de l'avance, mon pote. À la vôtre. J'ai besoin de prendre l'air, j'en fous. Oui. Je rentre chez moi ce week-end. Vous pourriez m'accompagner? Bah... Je sais pas trop, mon pote. Il va falloir qu'on se comporte bien. Si tu veux dire te laver et ne pas vomir sur le tapis, alors oui. Je sais beaucoup nous demander, mais on vient. Super. Ouais. Et lancer le jukebox. Oh ouais, mets-nous, Queen. Est-ce qu'il vient de nous inviter à Highgrove pour voir le prince Charles? J'en ai bien l'impression. Bah voilà qui devrait t'aider à oublier Trevor. Oui, je vais survivre. Pas la peine de vous exciter, je suis déjà allé, il n'y a rien de si exceptionnel. Oui. Rien d'exceptionnel, on va juste rencontrer Charles. C'est rien, on va voir Charles. Oh Dieu! J'avais hâte de rencontrer les amis de William, je suis ravi que vous ayez pu venir. Merci. Derek, comment vont vos parents? Très bien, monsieur, et ils vous saluent bien évidemment. C'est gentil à eux. Les œufs sont bio. Mon père élève des poules dans la propriété. Oh. Il leur a même donné des petits noms. Quel taquin, celui-là. Je trouve que le bio, c'est génial. Je ne mange que des produits naturels. Oh oui, c'est vrai. Il adore ça. Quoi? Mademoiselle Biddleton, viendrez-vous chasser avec nous demain? Oui, j'ai réellement hâte d'y être. Vous savez manier un fusil, je présume? Oui, j'ai vécu quelque temps dans une ferme. J'en suis enchanté. Quoi de plus ordinaire, une petite partie de chasse en compagnie des futurs rois d'Angleterre? Oui, c'est un peu plus banal. Tiens, prends une photo de moi quand même. Je vois vraiment pas ce qui vous excite. Je m'étais jamais autant ennuyé de toute ma vie. Revenez-moi quand ils auront fini de tuer des trucs. Une merveilleuse journée pour chasser. Mon père est très cérémonieux. Il lui faut toujours du temps pour se détendre. Je le trouve charmant. C'est vrai? Mm-hmm. Ça, c'est parce que tu l'as pas vu en kilt. Il faut en prendre une. Il ne suffit pas seulement d'interdire l'utilisation des pesticides. Il y a encore beaucoup d'autres choses à faire pour protéger notre environnement. Je suis d'accord. Je pense que l'énergie solaire est la clé de notre avenir. Je lis vos articles sur la maîtrise de l'énergie depuis le début. J'ai fait un exposé sur vous quand j'étais à l'école. Vous m'impressionnez. Vous avez eu une bonne note? Et j'ai eu une très bonne note, donc merci à vous. Oh, c'est un plaisir. Bien. Et nous allons boire un petit thé, nous changer pour nous rendre à l'église. Parfait. On doit encore se changer? Évidemment. Et on se changera de nouveau pour le dîner. Fantastique. Mmh. Bienvenue dans mon monde. Super ce week-end. Qui a envie de retourner dormir au dortoir? On devrait louer un appart et vivre tous ensemble. Alors ça, ce serait super. Je doute que mes parents le voient comme ça. On peut le tenter. Parfait. Je commence à chercher dès demain. Désolé, mais je réclame tout de suite la plus grande chambre, vu ma popularité auprès des filles. De quelle fille tu parles? Faudra compter sans moi. J'ai déjà trouvé mon petit nid d'amour pour l'an prochain. Vous croyez que nos familles seront d'accord? La mienne, oui, elle va être ravie. Surtout quand je la menacerai de me faire tatouer. Ou d'abdiquer le trône.
Je me demande si on va y arriver. Je le mettrais plutôt comme ça. Bien imité, ça. Bon, bah alors, on le met droit. Voilà, c'est parfait. Qu'est-ce qui reste? Ah, on a encore ça. Oh, c'est top. Beaucoup de gens se demandent si William ne vit pas une romance avec l'une des deux jeunes filles avec qui il partage cet appartement. Que fassent William et Buckingham ont nié ces suppositions en affirmant qu'il ne s'agissait que de camarades de classe. Est-ce que tout va bien en cuisine? Oui, oui, tout va très bien. Ça va. Qu'est-ce qu'il fabrique? Des lasagnes pour ce soir. Et il est capable de faire ça? Lui, il dit qu'il l'est. Autant que de faire le poulet au curry. Oh non! Tu devrais y aller, mais certainement pas. Olivia, j'y suis allée la dernière fois. Je sais pas cuisiner. C'est ton tour. Ça recommence comme avec le curry. Qu'est-ce que tu as fait? Rien, c'est parfait, j'ai bien suivi la recette. Mais non, c'est dégoûtant. Regarde ça. Ah oui, c'est cuit. On peut rien en faire. On peut rattraper. Non, c'est immangeable. T'es une lâcheuse. Non, tu me lâches sur ce projet, tu abandonnes. Non, cette fois, tu vas pas t'en tirer comme ça. Ok, on ferait mieux de tout recommencer. C'est dégoûtant. Hé, ça va, les chips? Non, j'en ai rien. T'as raison, vous tous les noms, c'est dégoûtant. Oui, c'est vrai, c'était parfait, c'est très riche. Vous voulez du vin? C'est une super soirée. Allez, alors, on va faire la danse. J'adore danser. Quand est-ce qu'il nous a quittés? Un peu après une heure. La dernière fois que je l'ai vu, il jouait au strip poker. Mais tout seul. On le réveille et on le renvoie chez lui? Je crois que c'est déjà assez embarrassant pour lui. On peut lui raser les sourcils, par contre. C'est à qui, ça? En tout cas, ça me dit rien. J'irai de village en village le faire essayer aux damoiselles. Celle à qui il ira deviendra ma promise. Quoi? C'est pas le seul prince charmant de la maison? Allez, arrête tes bêtises et débarrasse. On est encore loin d'avoir fini. Dis-moi, Émilie n'est pas venue? Ça fait un moment qu'on l'a pas vue. On a rompu. Ah, je suis désolée. C'est gentil. Disons qu'on n'avait plus rien à se dire. Je le prends. Non, je le prends. Kate, où est le détergent? Le décor. Allez, ah, oh, c'est fou. Allez, chez vous. Seulement qu'on aille manger un truc chaud. Je suis pour. Oh, c'est pire en pire. C'était chez vous. Allez, avance. Tu vas pas essayer de m'embrasser encore une fois? J'oserai jamais. Bien, parce que nous sommes amis. C'est vrai, juste amis. Vous venez? Ils nous ont repérés. Quand j'avais 16 ans, Eton est venu jouer au football contre Marlboro. Oui, je m'en souviens. Tu étais là? Mm-hmm. Je soutenais l'équipe adverse. Tu es pardonné. Tu es passé devant moi quand tu es sorti du terrain avec ton t-shirt. Tu m'as même souri. J'ai eu l'impression que tu me souriais, du moins. Je t'ai tout de suite remarqué. Tu étais la fille potelée en uniforme. T'as deviné? J'étais très légèrement potelée.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me pose toujours des questions sur les cours de Monsieur Darelman. J'arrive pas à comprendre l'intérêt de parler d'un sujet comme... Ah oui, j'adore. Bonjour, Catherine. William. Vous voyez ce que je veux dire? Bonjour, ma belle. Bonjour, vous. On a cours dans une demi-heure. Non, appelle-les pour changer les horaires. Je crois pas qu'ils m'obéiraient. Ils sont obligés. Un jour, ce sera toi le roi de ce pays. Entrez. Tu me prêtes ton dictionnaire? Bien sûr. Bonjour, Kate. Comment il l'a su? Qui est au courant pour nous? Personne. Excepté ma famille qui aimerait te rencontrer. C'est vrai? C'est comme ça depuis que je suis petite. Ça n'a pas changé. Tu dois trouver ça drôle. Maman, papa, Pipa, James... Voici William, William, voici ma famille. Ravi de faire votre connaissance. Kate m'a beaucoup parlé de vous. Enchantée de vous rencontrer. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir parmi nous, votre Altesse Royale. Je vous en prie, appelez-moi William. Bien. William est dans mon équipe. Allons-y. Les filles contre les garçons. On va les écraser. Ça s'est bien passé, non? Je crois, j'espère. Hey. Le dîner était excellent. William a l'air d'aimer la chambre d'amis. Oui, William a l'air d'apprécier. On l'appelle William. Oui, tu as raison. Oh. Bien joué. Avec beaucoup, beaucoup d'échanges. Voilà un match qui s'annonce très, très bien. La rencontre. Oh, bonjour. Est-ce que vous allez? Il s'en va. Je crois bien que William est habillé pour le petit déjeuner. Oh, je suis désolée. On va s'habiller. Eh oui, voilà. Allez, que tout le monde aille s'habiller. Allez. Non, non, c'est très bien. Je préfère. Ah, dites-moi si vous avez envie d'autre chose. Peut-être une omelette? Oh, William est un très bon cuisinier. Non, 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 c'est parfait comme ça, merci. Attendez. Je vais faire ma place. Très bien, William a ce qu'il faut, on arrête de se faire du souci. Oui, tout le monde se détend. Venez vous asseoir, venez, venez. Je suis bête. Excusez-moi. Je vous en prie. Alors, vous avez bien dormi? Vous voulez du jus de fruits? Oui, un peu trop à vrai dire. Ah oui, ça arrive parfois. T'as assez bu? Tu peux marcher? Oui. Eh ben c'est bon, tu peux continuer. Allez, encore du champagne. Je suis super excitée par cet anniversaire. T'as raison, ça promet d'être excitant. Il nous faut des robes de soirée. Des robes de soirée. Allez, une nouvelle robe. C'est très important. À la tienne. Oh ouais, des robes comme ça. Je connais, non? Oh, non, tu peux pas. Il ne changera jamais, il est cinglé. Moi aussi. Ne me réveille pas, je m'amuse comme une folle. C'est vrai qu'on n'aura plus en tout cas. On va sortir par devant et aller chercher la voiture. Toi, tu sors sur le côté et on prend dans l'allée. Ouais. Comment ils savent que t'es là? Ils savent toujours. Vous devriez être heureux de faire partie du commun des mortels, hein?
va y aller. Salut tout le monde! Vous trouvez qu'elle me va? Tu es simplement magnifique. Il faut que ce soit parfait. La reine sera présente et beaucoup de ses proches et de ses amis. Ils vont t'adorer. Tu es notre Cendrillon. Je suis contente de toi. Donc ce soir, c'est un peu une présentation officielle pour toi? Non, c'est pas vraiment ça. Il tient à ce que ça reste privé pour ne pas être poursuivi par la presse. Je détestais quand on harcelait sa mère. Ils étaient toujours sur son dos. Ce n'est pas ce que tu veux. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, maman. C'est seulement une fête. Regarde les girafes. Je sais, je les ai vues, je suis entrée. J'ai jamais vu un truc pareil. Oui, et les Craigs sont toujours tellement généreux et adorables, c'est fantastique. Oh, excusez-moi. Désolé, j'en reviendrai. Pardon. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Hé, hey, joyeux anniversaire. C'est très beau. Joyeux anniversaire. Bonsoir. Allez. Il y a quelqu'un qui essaye de là-bas. J'arrive. Bon, on se verra plus tard, tout à l'heure. Bien sûr. T'inquiète pas, il viendra te voir plus tard. Oui. Ici, on cherchait le bar. Ok. Oh, on est ici. Installons-nous. Oh, super. Kate, tu es là? C'est vrai, Willy et toi êtes colocataires après tout. Je t'assure, c'est vraiment ce qu'il m'a dit. Tu sais qui est cette fille? C'est Jekka Craig. William et elle sont amis depuis des années. Il a passé beaucoup de temps chez elle en Afrique. Willy adore l'Afrique. Beaucoup pensent que Jekka est son premier amour. C'est peut-être la fameuse petite amie dont toute la presse parle sans cesse. On dit que quand ils étaient adolescents, ils ont organisé un semblant de fiançailles, avec une cérémonie et tout le reste. C'est très romantique. J'espère qu'on passera un petit peu de temps avec lui. Moi aussi. On n'est pas à l'université où il peut faire ce qu'il veut. Ça, c'est sa vraie vie. Sa vie de prince. Et où tu veux en venir? Ne l'écoute pas. Elle ne sait pas du tout de quoi elle parle. Ta mère était hôtesse de l'air, c'est ça? Et tes parents ont une entreprise d'accessoires pour la fête? Et alors? Tu n'es pas le genre de fille qu'il va présenter à la reine. Il peut peut-être s'amuser avec toi, mais... tous les deux, vous ne serez jamais un couple. Tu sais, Margaret, tu es vraiment une peste. Oui, on me le dit parfois. Ça va être l'heure de porter un toast. En général, c'est à ce moment de la soirée. M'aider un peu. C'est vrai, merci. Je lui dis anniversaire. Il a à peine vu que j'étais là. Je suis sûre qu'il a ses raisons. Ah oui? Quelle raison? Je suis ridicule, moi qui croyais qu'il tenait à moi. C'est le cas! Non, c'est pas vrai! J'ai jamais été aussi humiliée de ma vie. Margaret avait raison. Margaret est une idiote. Elle disait vrai. Je suis celle qui l'amuse, pas celle qui présente à sa famille. C'est encore William au téléphone. Je suis pas là. De toute façon, il sait que tu es là, chérie. J'ai aucune envie de lui parler. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Rien du tout. Écoute-moi, tu ne vas pas te cacher ici à vie.
Lundi, il faut que tu retournes à l'université. Je crois vraiment que tu devrais aller lui parler avant les cours. Je ne veux plus jamais lui reparler. Très bien. Ça y est, tu ne me parles plus. Là, je travaille. Je suis désolé, je pensais que tu comprendrais. Il y a un protocole que je dois suivre, des personnes à qui je suis obligée de parler. Je croyais que ça ne te dérangerait pas. Ça ne m'a pas dérangée. C'était une belle soirée. Arrête-toi et parle-moi. J'ai eu l'impression de ne même pas exister. J'aurais dû mieux t'expliquer. Quand je suis avec ma famille, en public, je ne peux pas faire ce que je veux. C'est ça, ma vie. Je pensais en faire partie de ta vie. Tu sais que tu fais partie de ma vie. Tu fais partie de ma vie privée, pas de ma vie publique. C'est différent. Et J.K., elle fait partie de quelle vie? J.K. C'est l'une de mes plus vieilles amies. On a grandi ensemble. Elle comprend ce que c'est que d'être avec ma famille. Elle sait ce que ça implique. Tandis que moi, je ne pourrai jamais comprendre, c'est ça? Je veux que notre relation reste du domaine privé. Dès qu'ils sauront qu'on est ensemble, ils nous harcèleront et nous rendront la vie impossible. Je suis ta petite amie. Je pensais que tu voudrais passer du temps avec moi pendant ta fête. Je voulais passer du temps avec toi, mais c'est tes responsabilités. Les gens pensent que tu es avec J.K. Mais voyons, c'est ridicule. Et moi, je me fiche de ce que les gens peuvent penser. Moi, non. Clarence House a fait paraître un communiqué aujourd'hui à propos de la fête d'anniversaire pour les 21 ans de William. Buckingham déclare que J.K. Craig est une amie d'enfance du prince William et rien de plus. Mademoiselle... Il ne fait jamais aucune déclaration officielle sur sa vie privée. Je pars au ski. On dirait, oui. On y va ensemble. Ah, ah bon? Je viens juste d'avoir William. Il nous invite tous au ski. Non, merci. Allez, faut que tu viennes, je lui ai promis. Il va me tuer si t'es pas avec nous. Je te le demande, on va bien s'amuser. Il nous envoie un avion. Je comprends complètement que t'aies pas envie de faire du ski, que t'aies envie de rester ici et de rien faire du tout, ça me va totalement. Mais... pitié! Allez pitié! Quoi? Tu viens? Oh, ok, ok, je viens. Bonjour. On attend pas Kate? Elle ne me parle toujours pas. Alors, on y va? D'accord. Waouh, c'est magnifique cette vue. Oui, c'est beau, n'est-ce pas? J'emmène les garçons ici depuis leur plus jeune âge. Oui, je sais. William se croit obligé de faire semblant d'être moins bon skieur que moi. Je l'ai vu faire une descente, il fait pas semblant. Je crois qu'il tient beaucoup à vous, vous savez. Alors il va falloir qu'il tienne bon surtout. Vous êtes une jeune femme pleine d'esprit, mademoiselle Middleton. Oui, on me l'a déjà dit. Oui, tu vois,
C'est vrai. Elle a raison, je te jure. Tu rigoles? Tu l'as pas vu sur la piste? Non, c'est vrai. Quand tu es entré dans la pièce, j'ai vu l'étincelle dans tes yeux. Je sais que je t'ai brisé le cœur, mais je me suis rendu compte que j'ai été stupide. Je ne voulais pas que tu souffres. Comment aurais-je pu croire que tu reviendrais vers moi? Dis-moi pourquoi les étoiles brillent encore. Dis-moi pourquoi ton cœur est encore à moi. J'ai blessé celle que j'aime vraiment. J'ai cru que j'avais tout perdu, mais j'ai eu de la chance. Oui, j'ai eu de la chance. Ça y est, t'es prêt? Il est temps de donner à la presse ce qu'elle attend. Je vais faire vite. On vous attend, père. Bon courage. Soyez gentils. Prince Charles. Oui, toi aussi. Bonjour à tous. Ici, par ici. Oui. Je suis l'agent plein bonheur. Oui, Camilla. Mais ce n'est que le début. Kate, bonjour. Comment vas-tu? Je ne t'ai pas vue depuis une éternité. Nous étions toutes les deux à la fête de William il y a quelques semaines. C'est vrai? Oui, et tu t'étais permis de me rappeler ma condition sociale. Je te taquinais, c'est tout. Je voulais t'inviter à venir chez moi ce week-end pour rencontrer ma famille. On pourrait aller se promener. Nous faisons du cheval aussi. Bien sûr, Will est invité lui aussi. Oui, j'adorerais, mais je dois réviser pour les examens. Mais il faudra le faire bientôt. Très bientôt. Tu as tellement de chance de sortir avec le prince William. C'est lui qui a de la chance de sortir avec moi. Oui, bien entendu. Tu as raison, évidemment. Ok, à plus tard. À plus tard. Le prince William au ski avec son nouvel amour. Qui est l'ange de neige de Will. Allô? T'as vu les journaux? Oui, ils sont juste sous mon nez. Ça va faire qu'empirer. Ça peut vraiment être pire que ça. Bien pire. Préservé de son intimité, le prince William a quitté son appartement de Wall Street pour une maison à la campagne. Je suis bien contente d'être arrivée. Je te signale qu'on est censé étudier. Je sais bien. Ce sera toi, mon sujet d'étude. Je t'aime. C'est vrai. Moi aussi, je t'aime. J'aime à la fois le William privé, le William public et le William... Personne ne connaît à part moi. Tu penses parfois à ce que le monde attend de toi? J'essaie de ne pas y penser. La moitié des Britanniques aiment ma famille, mais l'autre moitié pense qu'on est des guignols démodés, extravagants, qui leur coûtent cher. Tu as vu toutes ces émissions? Ces caricatures, comment on est parodié par la presse?
Je suis pas sûr qu'on représente autre chose qu'un attachement désespéré au passé. Alors fais changer les choses. C'est ce que ma mère a essayé de faire. Elle comprenait ce que les gens voulaient parce qu'elle était comme eux. Elle avait des tas d'idées incroyables, mais tu as vu comment ma famille l'a traitée? Ma grand-mère ne changera jamais. Pour elle, les traditions, c'est très important. Alors laisse-la. Personne ne s'attend à ce qu'elle change. Personne ne veut qu'elle change. On sait qui elle est. Moi, je te parle de la génération qui arrive. Vous pouvez faire évoluer les choses. Et c'est ça qui fera la différence pour nous tous. Tu trouves ça approprié pour un leader mondial? Yann, elle avait des chaussettes rouges avec mon t-shirt blanc. Viens par là. Les choses vont changer très bientôt. Changer comment? Eh bien, on sera diplômé dans quelques semaines et rien ne sera plus pareil. On sera toujours ensemble. Pas comme ça. Juste tous les deux à l'abri dans notre petit monde ici. Qui sait ce qu'on va devenir maintenant? Tu vas te trouver un boulot fabuleux. Tu vas vivre à Londres dans l'appart que tes parents t'ont acheté. Je vais suivre ma formation militaire et on se verra les week-ends. On va pas changer. On ne sera plus les mêmes. Je te jure que si. Avec des responsabilités et des vies d'adultes. Rien ne nous séparera jamais. Tu me le promets? Je te le promets. Il faut que tu mettes une veste. Pourquoi? Parce que c'est horrible. Bah, non, mais c'est tout ce que j'ai de toute façon. Will, tu peux pas sortir comme ça. Et tous mes t-shirts sont roses maintenant. Le prince William a obtenu son diplôme à Saint-Andrews avec mention. Oui, merci. Il passera son été à effectuer des visites. Oui. Comme ça, tu pourras prouver que tu es très intelligent. Tu pourras montrer ton diplôme à tout le monde. C'est important. C'est bon, on peut y aller. Il n'est pas impossible que William profite de ce moment opportun pour demander en mariage sa petite amie au lieu de Kate Middleton, qui a également reçu son diplôme avec mention aujourd'hui. C'est là? Oui, juste là. C'est sympa comme endroit. C'est parfait. Allez, viens, on y va. C'est parti! De toute évidence, la reine tient à ce que le prince William remplisse d'emblée ses obligations royales. Le prince est très à l'aise avec les enfants et est très proche du peuple kényan. Ça va? Ouais. Tiens, attends, check mon grand. Vous nous avez été très chaudement recommandés. Nous sommes très heureux de vous accueillir. C'est gentil, je suis très heureuse, moi aussi. On parle beaucoup dans les médias de votre bon goût et je dois bien avouer que je ne suis pas déçue. Merci, j'ai hâte de commencer à travailler avec toute l'équipe. J'ai aussi lu quelque part que vous souhaitiez créer une collection de vêtements pour enfants. Tout à fait. Il s'avère que c'est plus dur que je ne le croyais de créer une société. Avec vos relations, vous êtes sûre? Très bien, allons visiter nos bureaux, vous me suivez? Je ne veux aucun traitement de faveur, je refuse d'être dans le thé. Je tiens à suivre mes camarades et faire la même chose qu'eux. Harry a eu l'occasion d'aller combattre avec ses troupes. Je veux le même privilège. Le général de division Andrew Ritchie a déclaré que bien que le prince William soit le futur chef des forces armées, il recevra le même traitement que n'importe quel autre élève officier. Je crois qu'il y a un peu trop de bleu. Peut-être que si on ajoutait une petite touche de couleur, ainsi que quelques accessoires. Pas mal. Très beau travail. Alors, je pense que celui-ci est tout à fait dans l'esprit de la collection. Ah, je reviens, excusez-moi. Allez-y. Salut, Willy. Non, je suis au travail, mais ça va. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Louis,
Je suis partie. Avez-vous parlé à William, s'il vous plaît? Bien. Vous êtes toujours ensemble? Vous allez vous divorcer bientôt? Non, maman, ne leur parle surtout pas. Je m'arrête devant les photographes. Mais je suis affreux. Comment fais-tu pour le supporter? J'ai l'habitude, maintenant. Moi, je n'y ferai jamais. Sais-tu qu'un photographe m'a suivi chez le coiffeur l'autre jour? Je suis désolée. Sérieux? Disons que c'est bizarre d'être aussi adulée tout à coup. C'est... Tu as eu des nouvelles de William récemment? Oui, il revient la semaine prochaine. Ah, d'accord. Et avez-vous parlé un peu d'avenir, tous les deux? Oh, pour le moment, on a des projets plein la tête, alors on n'est pas pressé. J'ai l'impression que tu fais énormément de concessions pour lui et que tu calques ta vie sur la sienne. Dès qu'il appelle, tu as... Non, maman, arrête, tu n'y es pas du tout. Il a un emploi du temps très chargé, c'est plus facile pour moi de m'adapter, c'est tout. C'est ta vie à toi aussi, je veux que tu gardes ça en tête. Il faut que tu te réalises dans... Maman, fais-moi confiance, ça va aller, je suis assez forte. C'est cette vie-là que tu veux? Cette attention constante? Je veux William, et ceci est sa vie. Viens, on y va. Laissez-nous passer. Laissez-nous tranquille, s'il vous plaît. Écartez-vous. On peut plus avancer. Oh non. Laissez-nous. Quel visage là. C'est pas vrai. Reculez. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Comment ils ont... Oh non. Par ici. Maman. Maman. Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Ils ont trouvé notre adresse. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils n'ont pas le droit. C'est légal, tu crois? J'en sais rien, mais en tout cas, ça m'angoisse. Si on appelait la police? J'ai essayé. Tant qu'ils sont pas sur la propriété, on peut rien faire. Vous avez vu la presse People? Comment ils m'appellent, ce qu'ils disent de moi? Ils me détestent. Non, les horreurs qu'ils écrivent font vendre plus de magazines, c'est tout. Il faut que tu ripostes. Si tu veux passer ta vie avec William, il va falloir qu'on se forge une carapace. Non. J'appelle notre avocat. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il leur demande d'arrêter cette comédie. Chérie, est-ce que tu en as parlé à William? Oui, mais jusqu'à présent, ce n'était pas aussi grave. Pourquoi ils s'intéressent tant à moi? Je ne suis personne, je n'ai pas de sang royal. Je t'interdis de dire ça. Redresse la tête. Je vais préparer du thé et tu verras qu'on se sentira tous beaucoup mieux. D'accord? On dirait que ça t'est égal. Ça te dérange pas qu'il manque de respect à maman et papa? Je suis aussi affligée que toi, mais je ne peux pas contrôler leur ragot. Est-ce que ça vaut le coup? Je veux qu'elle ait des gardes du corps 24 heures sur 24. Les Middleton sont bouleversés. Je les comprends. J'aimerais pouvoir les aider. Vous le pouvez. Kate ne fait pas partie de notre famille. Alors je suis désolé, mais elle ne peut pas faire l'objet d'une protection royale. Je ne peux pas gaspiller l'argent public pour des amis. Kate est plus qu'une amie. Je sais, je partage ta frustration, mais nous ne pouvons hélas contrôler les photographes. C'est le prix à payer pour nous fréquenter. Je ne peux pas t'aider. Fin de la discussion. Ils me font passer pour une vulgaire opportuniste qui essaie de te piéger. Ils s'en prennent à moi, ils s'en prennent à ma famille, ils attaquent même mes origines. Et ils sont allés jusqu'à braquer leurs appareils sous ma jupe. Je suis désolé. J'aurais voulu t'épargner ça. J'aimerais pouvoir te protéger. Tu ne devrais pas avoir à me protéger. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Mais j'ai essayé. Ils n'écoutent rien et ils s'en fichent. Si je voulais que notre relation reste secrète, c'était justement pour éviter ça. Mais comment suis-je censée réagir? Comment je dois me conduire? Il n'y a pas de manuel qui donne la marche à suivre. Une
Une révérence s'impose lorsqu'une personne entre dans la pièce ainsi que lorsqu'elle en sort en présence de Sa Majesté. Pour l'effectuer convenablement, il suffit de positionner votre pied droit derrière votre pied gauche. Avec grâce, pliez vos genoux comme si vous étiez sur le point de vous asseoir. Une lente inclinaison et une remontée en douceur. C'est à vous. Allez-y, faites un essai. Fléchissez davantage. Un peu de pratique ne serait pas superflu. Un simple signe de tête peut suffire lorsqu'une personne est souffrante ou incapable physiquement de faire une révérence à proprement parler. Oh, vous devez en toutes circonstances garder les jambes fermement serrées. Tournez-les délicatement vers la portière et posez-les vivement sur le sol. Vous ne devez jamais écarter les genoux, ne serait-ce que pour un bref instant, car il est fort probable que, où que vous soyez, un paparazzi se tienne prêt avec son téléobjectif à photographier vos sous-vêtements. À supposer cela s'entend que vous portiez des sous-vêtements. Nombreuses sont les jeunes filles dévergondées de nos jours. Je peux vous assurer que je porte bien des sous-vêtements. Soit. Vous devez vous trouver à deux ou trois pas derrière le prince William en toutes circonstances. Si par hasard il venait à ralentir le pas, vous devez vous arrêter et ralentir à votre tour. Vous rigolez ? Pas le moins du monde. Êtes-vous au courant que nous sommes au 21e siècle ? Oh, peut-être dans votre monde, mais pas dans le sien. Merci beaucoup. À votre santé. Oh ! Je suggère qu'on invite le sosie de Jessica Simpson et sa copine à se joindre à nous. Il est tard, il faut que j'entre. Super. Faut que t'ailles rejoindre la miss, sinon tu vas avoir des problèmes. Kate n'y est pour rien. Ma formation reprend lundi. Non, je suis super sérieux, Will. Il faut que tu profites de ta liberté tant qu'il est encore temps. Quand on sait ce qui t'attend, une vie d'asset morne et austère... Je t'en prie, Derek. Quoi ? On sait très bien ce que te réserve l'avenir. Ça ne changera pas tant que ça. Oh, ce que t'es naïf, c'est pas vrai. À la minute où tu vivras au palais, tu seras soumis aux règles 24 heures sur 24. C'est la prison à vie, à t'entendre. J'ai raison et tu le sais. Regarde ton père, tu te voiles la face. Ce que j'essaie de te dire, c'est que t'es au top de ta virilité, là. Toutes les filles du monde veulent te grimper dessus. C'est les meilleurs moments de notre vie. T'es en train de les gâcher. Tu sais très bien que j'ai raison. D'accord. Un autre verre. Un autre pour mon ami. Tout de suite. Où étais-tu? Ça fait des heures que je t'attends. Il y a eu un changement de programme, il faut que j'assiste à un mariage. Mon père ne peut pas s'y rendre, alors je dois y aller à sa place. Mais on ne s'est pas vu depuis des semaines. Oui, je sais. Mais quand est-ce que je pourrais te voir? Le chauffeur m'attend, il faut que j'y aille. Tu me manques. Excellent atterrissage. Merci, monsieur. J'ai envie de continuer la formation pour rejoindre les forces de recherche et sauvetage. Très bonne idée. C'est une excellente formation. Mais ce sont 3 années supplémentaires. Je sais, oui. Vous n'avez pas hâte d'embrasser la vie royale, de faire des baisemains et de couper des rubans? Pas vraiment, non. Très bien. C'est parti, on décolle. Qui attend peut attendre longtemps. Cathy qui attend peut attendre longtemps. Le prince William.
William a été aperçu dans deux boîtes de nuit londoniennes ce week-end en compagnie de ses camarades d'université. Très étonnant. Salut, c'est moi. Laissez un message. Salut, c'est Kate. Je regarde les infos et ils disent que tu es à Londres ce week-end. Quelque chose m'échappe. Rappelle-moi. Prince William est sur le point d'effectuer une croisière au large des îles grecques. Il s'agit d'un voyage en trom pour lequel il a apparemment exigé un équipage exclusivement féminin. Il n'aura échappé à personne que Kate, sa petite amie de longue date, ne fait pas partie du voyage. Margaret va se marier? Oui, Margaret. Tu peux bien vouloir d'elle. Kate, est-ce que vous, toi et William, avez parlé de la suite des événements? Oui, mais je le vois rarement, il est si occupé. Tant qu'il ne te fait pas attendre ad vitam aeternam. Non, c'est très, très compliqué, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Tu peux préciser? Excuse-moi, mais je vois pas ce qu'il y a à prendre en considération. Toi, tu passes ton temps à attendre près du téléphone et lui, pendant ce temps-là, il s'éclate. Il n'est pas en train de s'éclater. Il travaille très dur toute la semaine et il a besoin de relâcher la pression le week-end. Sans toi? Ce n'est pas toujours le cas. Ça me fait de la peine de voir des photos de lui dans la presse. Moi et moi aussi, toutes ces filles qui lui tournent autour. Mais enfin, les filles, vous savez comment sont les journalistes. Ils dramatisent toujours. Il suffit qu'une fille le salue ou qu'il pose avec elle et ça y est, ils sont amoureux. Combien d'années encore tu es prête à supporter ça? Sa formation est presque terminée. Je suis sûre que dès qu'il reviendra, tout changera. Faites-moi confiance. C'était sympa de revoir tout le monde ce soir. Oui. Derek a l'air encore plus dingue que quand on était à Saint-Andrews. Oh non, je trouve pas. Tu rigoles ou quoi? Il a léché du sel sur le ventre d'une fille toute la soirée. Il était complètement sourd. Il est comme ça, c'est tout. Je trouve que c'est pas très malin de traîner avec un type pareil. Les journalistes vont s'en donner. Est-ce que tu es en train de me dire qui je dois fréquenter? Non, j'étais simplement... Parce que j'ai pas besoin de ta permission pour côtoyer quelqu'un que je connais depuis des années. Mais de quoi tu parles? Je crois que je vais rejoindre la Royal Air Force. Quoi? J'y pense depuis des semaines, dans la recherche et le sauvetage. Je me sens utile, j'ai l'impression de faire quelque chose de ma vie. La formation dure longtemps? 3 ans. 3 années supplémentaires? Tu sais que j'ai toujours voulu être pilote, et pour une fois, ça me donnerait la liberté de vivre ma vie. Tu n'as pas pensé à en discuter avec moi? C'est ce que je suis en train de faire. J'ai l'impression que ta décision est prise. Je n'ai pas à te consulter à chaque fois que je dois prendre une décision. Je crois que tu m'en demandes un peu trop. Je t'en demande trop? Je vis seule. Je suis prisonnière de mon appartement parce que les paparazzis ont élu domicile devant chez moi. Je me rends toujours disponible pour toi. J'abandonne ce que je fais sur le champ si ça peut nous permettre d'être ensemble. Je suis désolé. Je crois que j'ai besoin d'espace. D'espace? Tu as besoin d'espace? Arrête la voiture! Fais pas l'imbécile. Arrête la voiture! C'est ridicule! Tu veux être libre? Tu veux de l'espace? Tu vas en avoir! Reste dans la voiture. Kate, arrête! Tu es jolie, intelligente, cultivée et je ne supporte pas de te voir traîner à la maison à attendre que le téléphone sonne. Je n'attends pas. Je m'entraîne à reprendre ma vie en main. Je t'en prie. Tu te caches dans la maison et tu passes ton temps sous la couette. Je ne me cache pas, je suis juste... Je sais pas ce que je fais. Oh, tu as tout pour toi, chérie. Tu as un travail que tout le monde t'envie et des amis par centaines. D'ailleurs, tu devrais les appeler. Sortez, allez vous amuser.
Je n'ai pas envie de sortir avec mes amis. La plupart sont mariés ou sur le point de se marier. Et à chaque fois qu'on est en public, quelqu'un me demande comment je me sens depuis que William a rompu avec moi. J'ai perdu tellement d'années. Je me sens si humiliée. Le monde entier se moque de moi. Oh, ne sois pas ridicule. Sors de ce lit et va t'amuser. Allez. Vanessa t'a invité à t'entraîner pour la course d'aviron en faveur d'une œuvre de charité. Vas-y. Ou appelle Olivia, sors avec elle. Et si quelqu'un me voit et appelle la presse? Eh bien, tant mieux. Tant mieux? Oui. Ça va pas? Tu veux que je tombe sur un autre portrait de moi avec une tête de déterrée? Cathy qui attend en déprimée, toute seule. Eh bien, justement, à toi de leur prouver le contraire. Montre-leur que tu es belle, jeune, disponible et prête à aller de l'avant. Pourquoi faire? Peut-être parce que William a besoin qu'on lui montre ce qu'il perd. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Alors, tu souffles les bougies et que tu fasses un vœu. On va où après ça? Votre Altesse. Merci, monsieur. Merci. Ouais, mais est-ce que t'as couché avec elle? J'ai bien essayé, mais ça n'a pas vraiment marché. J'admirais sa bague. Moi aussi, j'ai essayé, mais il y avait un type bizarre dans la pièce, alors j'ai laissé tomber. Enfin bref, c'est la vie. On y retourne, les amis? Oh, je suis pas très chaud. Je suis complètement cassé. J'ai un peu abusé hier soir. On a tous abusé hier soir. T'as failli nous faire arrêter. S'ils voulaient pas qu'on nage dans cette fontaine, ils avaient qu'à pas la remplir. C'est plus comme avant, je trouve. C'est parce qu'on n'est plus à la fac. Voilà, t'as raison. Ouais. C'était le bon temps. Ce qui me manque le plus, moi, c'est l'adrénaline avant d'aller en cours ou au pub le soir. Et Kate? Oui. Elle me manque. T'as de ses nouvelles? Je l'ai vue, oui. Elle va super bien. Tu l'as appelée? Non. Je crois qu'on a loupé le coche. Allez, on rentre. C'est superbe. Merci. Je passe mes journées sur l'eau. J'utilise des muscles dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Dans ce cas, je vais m'y mettre moi aussi. Tu as l'air parfaitement heureuse. J'ai eu le temps de prendre du recul. Oui. D'apprendre à mieux me connaître. De savoir qui je suis vraiment et ce que je veux. Il te manque? Ça va. D'accord. Salut, c'est moi. Allô? Je voulais juste te dire bonjour. Excuse-moi, j'entends rien. Je peux te rappeler plus tard? Oui, bien sûr, je voulais juste... Allô? Allô, Madame Middleton? C'est William. Bonjour, William. Est-ce que vous avez vu Kate? Non, cela fait quelques jours que je ne lui ai pas parlé. Je crois qu'elle passe son temps avec les filles à s'entraîner pour la compétition. Quand vous la verrez, vous pourrez lui dire que j'ai appelé. Avez-vous essayé son portable? Oui, j'ai laissé des messages, mais... Ne vous inquiétez pas, je lui dirai que vous avez téléphoné. D'accord?
Bye bye. Selon les conclusions du rapport de la police britannique publié jeudi, la mort de la princesse Diana et de son compagnon lors d'un voyage à Paris en 1997 est un événement tragique mais accidentel. Le rapport affirme également que Diana n'était pas enceinte, qu'elle n'était pas fiancée à Dodi Al-Fayed, lui-même marié, que le chauffeur était ivre et qu'il conduisait à 100 km/h, soit deux fois la vitesse autorisée, lorsque leur voiture a heurté un pylône alors qu'ils étaient poursuivis par les photographes. Le rapport conclut que les allégations de meurtre sont sans fondement. Personne ne sera tenu responsable. C'est n'importe quoi. Ils ont mené une enquête très minutieuse et examiné les événements à la loupe. Le chauffeur était ivre. S'il ne l'avait pas poursuivi, il n'aurait pas conduit aussi vite. Ils l'ont tué. Je sais que c'est l'impression que cela donne. Il faut toujours un coupable. Je ne permettrai pas que quelqu'un que j'aime soit traité de la manière dont ma mère a été traitée. Je ne savais même pas qu'elle était à Paris. Je n'avais pas de Paris. Je parle de toutes les années qui ont précédé. Elle était seule. Vous ne l'avez jamais protégée. La famille ne l'a jamais protégée. Elle était si vulnérable. Tu sais comment sont les médias, voyons. Ils n'accordent aucun répit. Vous auriez pu l'aider. Vous auriez pu être à ses côtés. Vous auriez pu faire beaucoup plus. Ta mère était une femme très fragile. Elle n'avait tout simplement pas... Elle n'était pas fragile. Elle était brisée. Cette vie l'avait détruite. Elle savait ce qui l'attendait. C'était un personnage public. C'est elle qui avait décidé d'être médiatisée à ce point. Elle voulait laisser son empreinte. J'ai essayé de la dissuader, mais elle était si déterminée. Si vous aimiez Camilla, pourquoi ne pas l'avoir épousée? J'aimais ta mère. Vraiment. Il faut que tu comprennes bien, William. J'ai été élevé à une toute autre époque que la tienne. Il fallait que j'épouse quelqu'un que ma mère, la reine, considérait comme convenable. Camilla n'allait pas m'attendre éternellement. Elle a donc épousé un autre homme et j'ai rencontré ta mère. Tant de personnes ont souffert. J'ai commis des erreurs. Des erreurs que je n'ai pas l'intention de reproduire. Tu as à me dire. Non, je me suis conduit comme un idiot. J'ai pas pu attendre une seconde de plus pour venir te parler. J'ai eu tort, j'ai été stupide et immature et... Et...
Et je veux plus jamais passer une minute sans toi. La première fois que j'ai essayé de t'embrasser, tu m'as rejeté. Oui, je m'en souviens. Ensuite, c'est moi qui t'ai rejeté. Et je veux plus que ça se reproduise. Jamais plus je ne te quitterai. Comment puis-je en être sûre? Laisse-moi du temps et je te le prouverai. Si tu veux me prouver que tu n'es pas si idiot que ça, ça risque de prendre du temps. Ça tombe bien parce que du temps, j'en ai à reprendre. Je t'aime, Kate Middleton. Peace.